Allez bien, bonjour monsieur, dame. Allez, de retour en forêt. Cette fois-ci, je vais vous proposer une petite prospection sur des spots à pied de mouton. Ça a dû commencer à pousser. Il a pas mal plu ces derniers temps. Pour l'instant, j'en ai pas encore vu, donc on va voir ça. Donc au programme pied de mouton et puis spot à trompette et girolles. Allez, c'est parti. On se retrouve tout de suite après le générique. Allez, à tout de suite. Et voilà, j'arrive sur le premier spot à pied de mouton. Et les tout premiers sont là, tout petits. Tout petits, tout petits. C'est vraiment pas gros. Comme c'est les tout premiers. Allez, hop. Magnifique. Petite ligne. Petite ligne. Donc c'est ici que j'avais l'année dernière, on était venu avec mes poteaux, les deux alains. Je vous mettrai le lien dans la vidéo si vous voulez jeter un oeil. Vous allez trouver des magnifiques pieds de mouton. Donc là c'est le début. Mais c'est cool, ils arrivent, ils sont là. Allez, je continue. Allez, je vous reprends ici avec encore des tout petits pieds de mouton. Alors, il y a énormément de champignons, énormément de variétés. Regardez, juste à côté, là, qu'est-ce qu'on voit? Un cèpe bronzé qui a été renversé. Donc, il reste sur place. Pas mal de bolets. Pas mal de clitocybes. Pas mal d'amanites. J'ai vu des russules, vraiment énormément de champignons différents. Et encore un bolet. Allez, je continue. Allez, je reprends ici avec ce qu'on pourrait croire de haut, du haut comme étant des cèpes. Des bolets, et en fait, quand on regarde de plus près, voilà, des lamelles en dessous. Donc, je pense que ça, c'est du cortinaire. Encore celui-là, et puis regardez celui-là, là, boum, encore un magnifique cèpe, bien dur, un pied bien mou quand même. Il est bien passé. Il y a un beau réseau. Bien ferme. On va quand même regarder ce qu'il y a à prendre là-dessus. Quand même. Allez, je continue. Allez, hop, de nouveau une petite ligne de tout petits pieds de mouton. C'est vraiment le début. Encore ici. Et ça fait plaisir de les voir. Bon, j'en ramasse quelques-uns quand même pour me faire plaisir. C'est les tout premiers, ce spot-là, je sais qu'ils donnent. Ils donnent plutôt pas mal. Donc, allez, les tout premiers, on se fait un petit plaisir. Suffisamment pour se faire une petite poêlée. On va voir ça. Allez, je continue. Allez, monsieur, dame, je vous reprends ici. Donc, j'ai changé de spot. Je suis retourné dans un spot que j'affectionne aussi particulièrement, qui donne toujours pas mal de pieds de mouton, essentiellement de l'hymnum rubescence. Donc, pieds de mouton roussissant.
Et voilà, ça commence aussi. Exemplaire un peu plus intéressant. Hop là. Ici. On a également. Et puis là-bas, j'ai vu des jolis. Ici, je vais se faufiler. Là c'est cool, là c'est très cool, et là aussi c'est très cool. Et puis là encore, voilà, hop. Ici une petite ligne, je ne sais pas si vous allez les voir, je m'en rapprocherai tout à l'heure. Alors voyons ça. Ça c'est sympathique. Puis ici. Allez, sympathèche, sympatoche. Joli. Je vous reprends ici avec une petite tache là. Une autre là-bas. Joli spécimen ici. Il y en a un autre là-bas. Sympathique aussi. Donc j'y arrive. Deux autres qui ont fusionné avec un petit bébé à côté. Et ici un volet. Là, hop, la ligne, petite ligne ici. Là. Et oui, ils sont là les clignotants, ils sont là. C'est beau ça. Fragile, hein, très fragile. Les petits, on va les laisser les recouvrir. Ah, pied cassé.
C'est joli, c'est joli, c'est joli. Allez, je vous reprends ici avec, cette fois-ci, autre chose que je suis aussi très content de voir. Regardez-moi cette belle girole. Magnifique. Allez, hop. Les premières de l'automne. Excellent. Regardez-moi ça. Superbe. Une petite aussi ici, une Sibarius. Elles arrivent aussi avec la pluie qui est tombée. Le contraire m'est étonné. Et bon, on va faire le tour des places à girolles aussi. Hein. Allez. Allez, celle-là, vous n'avez pas vu. C'était juste derrière l'arbre. Au pied du cadre, j'ai cueilli la toute belle. On en met une petite tâche. Un petit groupe plutôt. Une belle girole. Yum yum. Ah, ça fait plaisir aussi ça. Oh, ça fait plaisir. Allez, je vous reprends ici. Là, je parle tout doucement parce que... On a une petite voiture. Regardez ce que je trouve. Une petite touffe de chanterelle cendrée. Regardez. Superbe. Allez, je vous reprends ici avec une toute petite troupe de trompettes. Un peu plus intéressante. Celle-là. Ça, ça passe. Ça, ça passe bien. Allez, allez, messieurs, dames, je vous reprends ici pour vous montrer quelque chose d'une rare beauté. Je n'ai rarement vu ça. Je vais essayer de le prendre en plan large d'abord. Regardez ça. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un rond de sorcière d'Amanite Tumouche avec des monstres. Regardez ces spécimens. C'est magnifique. Amanita muscaria. Champignon toxique. Regardez. C'est de toute beauté. Vraiment magnifique. Regardez, il continue de monter. Ça fait vraiment un rond sorcier. Il est vraiment superbe. C'est la première fois que je vois des amanites qui tuent mouche sur ce spot. Ce spot est rempli de bolets. J'en ai pas montré, mais il y en a énormément. Mais là, vraiment, un spectacle exceptionnel. Ici, donc là, je me dirige vers des spots à trompette. Hein, je tombe sur un que je ne connaissais pas. Alors, c'est petit, le spot n'est pas très étendu. Les trompettes commencent à devenir intéressantes. Il n'y a pas des masses, hein. Mais voilà, c'est un nouveau petit spot. Thank you.
On va aller. Les gens du Rives. On va faire comme ça. Une petite ici. Bon, du coup, et aussi de la chanterelle cendrée. Et finalement c'est un joli petit spot. Encore un petit spot bien prometteur. Allez messieurs dames, je vous reprends ici. Non, ça fait un petit peu comme l'année dernière. Je me promène de spot en spot à trompette. Et entre chaque en fait je trouve de nouveaux spots. Alors, encore un petit là. Un petit sympathique, hein, regardez. Avec des trompettes qui commencent à être ramassables. Ici, ce petit touche là. Ah, il est petit encore. C'est intéressant, un joli spot en plus. On va continuer. On continue un petit peu ici, un petit peu là, et là. Et puis encore un petit peu ici. Ouais, c'est un joli petit spot celui-là. Si ça pouvait grandir, ça pourrait être sympathique. Et ben allez. Ça c'est sympa. Bah, hop, et puis là, on s'en voit. Allez, celle-là, pas toute seule. Allez, messieurs, dames, je m'en retourne à la maison. Après une belle petite prospection, j'ai pas mal crapahuté, j'ai fait le tour de pas mal de spots, pied de mouton, trompette. J'ai pas fait le tour des spots à girolles, enfin si en fait, le taillis, c'était aussi un spot à girolles. Et puis bah écoutez, au final, un panier bien sympathique avec trompette, pied de mouton, girolles, cèpes et quelques chanterelles cendrées. Donc je suis content, encore une belle sortie, une belle marche, un bon bol d'air, ça fait du bien. Allez, sur ce, mesdames, comme d'habitude, je vous laisse. Et comme d'habitude aussi, toujours, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter. Alors, au niveau des commentaires, s'il vous plaît, on a joué à la bonne humeur. Ça commence. J'ai eu quelques commentaires un petit peu. Voilà, je n'en dirai pas plus.
Mais bon, toujours dans la joie et la bonne humeur, hein, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, d'avoir des avis contraires, que des choses que je fais, que je montre ne vous plaisent pas, vous avez le droit de le dire, mais dans la cordialité, s'il vous plaît. On n'est pas des animaux. Et puis voilà, donc likez, commentez, partagez. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, ça fait plaisir, c'est bien pour le référencement de la chaîne. Et ça permet d'avoir un plus grand nombre de vues et donc de toucher de plus en plus de monde. Et ça, c'est excellent. Voilà. Sur ce, monsieur, dame, je vous laisse. Et puis, je vous dis, comme d'habitude, à la revoyure. Bye bye.